J'espère que ça va marcher. Ça y est, je suis en direct. Ok, c'est parti. Alors, attends. Tu changes le lien? Non, t'inquiète, tu fais le live. Ok, bien. Ah ben voilà. Ça y est, après moult complications, c'est les soucis du direct, j'ai l'impression. On a dû changer de lien parce qu'en fait, ça ne marchait pas. Voilà. Merci. Merci, Internet. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Du coup, je vais attendre que tout le monde bascule sur l'autre conversation parce que notre premier lien, en fait, ne fonctionnait pas. Donc, ben là, je suis contente de vous voir ici. Oui, je suis en 4G, mais c'est vrai que la 4G, c'est pas forcément toujours génial. En général, il faut attendre 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, on a une connexion qui est sympa. Donc, bonjour à tous. Ouais, la qualité est médium, mais je pense que ça va s'améliorer dans le temps. La 4G est un petit peu surchargée avec le confinement. Bonjour Anne-Marie, bonjour. Bonjour la Corse. Daloudi à toutes. On va faire le cours un peu en français, un peu en corse quand même, histoire de pouvoir renouer avec des racines. Donc, je me présente, je m'appelle Audrey, enchantée, je suis kiné et coach de Pilates. Donc, ce cours s'adresse d'abord aux personnes qui souffrent du maux de dos, hein, qui souffrent de maux de dos. Bon, si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez quand même rester, d'accord? C'est autorisé, c'est même conseillé parce qu'on va un peu découvrir ensemble la méthode Pilates, un peu adaptée, là, particulièrement adaptée même aux personnes qui ont des douleurs de dos. Et on va donc essayer d'explorer quelques petites postures, quelques petits exercices. Alors pour les puristes, il n'y aura pas que des exercices Pilates, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop. J'ai aussi fait le choix de rajouter quelques petits exercices d'échauffement et d'étirement parce que ça me semblait particulièrement intéressant. Donc, j'espère que, déjà, que vous allez bien me voir, me comprendre. Ça dépend pas forcément de moi, ça dépend aussi de la technique. En tout cas, je suis super contente de faire ce cours de Pilates avec vous ce matin. On va attendre encore 2-3 minutes. Et j'aimerais bien savoir par quel biais vous nous avez connus, parce que c'est vrai que vous avez répondu super nombreux à l'appel et du coup j'étais assez curieuse de savoir un petit peu comment est-ce que vous nous aviez rencontrés. Donc je suis désolée pour le retard, mais là on a dû un peu jongler avec la technique parce que la connexion internet ce matin était pas terrible. Le yoga du visage nous remercie pour ce live. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être là. Ah bah super, Facebook, ouais, on avait fait une petite campagne d'infos sur Facebook. Et donc, je récapitule. Ce cours ce matin, c'est spécial maux de dos. Alors, bien sûr, si vous avez une pathologie qui est très particulière avec une grosse inflammation, quelque chose d'un petit peu précis et très douloureux, bon, l'idéal, c'est quand même de toujours demander l'avis du médecin traitant parce que c'est toujours bien d'avoir quand même un accord. Et ensuite on va quand même essayer de respecter toujours un peu son corps, c'est-à-dire que si pendant les exercices vous sentez qu'il y a une douleur, quelque chose qui est très intense, vous arrêtez bien sûr l'exercice tout de suite, hein, on se respecte. Ce matin, il n'y a pas de performance, pas de performeur attendu, d'accord? On est là pour se faire plaisir, on est là pour se faire aussi du bien, essayer de relaxer tout en se gainant. Et bah écoutez, je pense que là, il est quand même 11h17. On n'est pas en avance, hein, les gars. Donc, on va peut-être y aller. OK? Coucou, Suzanne. Écoutez, je vous propose qu'on prenne place sur notre petit tapis. Salut, Zach. Donc, j'espère que l'image s'est un petit peu améliorée. Je vous propose un petit échauffement pour démarrer. OK? Vous allez vous placer en position debout.
Quand nous sommes debout, vous avez vos deux pieds qui sont sous vos hanches, d'accord ? Vraiment parallèles. Vous allez plier un petit peu vos jambes. On déverrouille simplement l'appui pour éviter d'être complètement jambes raides. Ici, vous étirez vos colonnes vertébrales comme si elles étaient étirées vers le plafond par un petit fil, d'accord ? On place le bassin en position neutre, c'est-à-dire que ni vous exagérez, ni vous me faites un dos ici arrondi, on maintient sa cambrure naturelle, d'accord ? Dans cette position-là de bassin neutre, on étire donc sa colonne vertébrale au maximum vers le plafond. Ici, vous allez dégager vos épaules dans les poches arrière de pantalon. Vraiment, vous me sortez un petit peu le sternum, la poitrine. On a déjà un petit travail au niveau des muscles qui soutiennent les omoplates. Et vous allez me mettre les mains juste sous la poitrine. Parce qu'on va d'abord un petit peu parler de la respiration qu'on va utiliser pendant nos exercices. Je vais vous demander d'inspirer ici dans vos côtes. OK ? Donc, vous me faites une grande inspiration latérale thoracique. Vous sentez vos cages thoraciques qui s'ouvrent comme un accordéon. Okay, il y a vraiment ce phénomène d'ouverture ici. Et vous expirez. Vous sentez les côtes se refermer. On fait ça encore une fois. On inspire. OK. Inspiration latérale thoracique. Et vous soufflez. Et quand on souffle, on essaie de ne pas se courber. Vous restez toujours en position redressée. On va s'intéresser maintenant à l'expiration. Vous allez descendre un peu vos mains de chaque côté du nombril. Vous allez inspirer avec vos cages thoraciques. Et en expirant cette fois, vous allez rentrer le ventre. On imagine vraiment que là, il y a comme une petite ceinture qui se met en place au niveau de la taille. Ça, ce sont vos muscles profonds, le muscle transverse. C'est celui-là qu'on va demander, c'est celui-là qu'on va solliciter pendant tous nos exercices. Donc, si on récapitule, on inspire ici. On expire en rentrant le ventre. Vous sentez le nombril s'éloigner de vos doigts. OK ? On essaie de maintenir toujours bien sa posture. Dernier petit élément qu'on va associer à la respiration, c'est la contraction du périnée. Les muscles du périnée sont horizontaux, tendus entre les os des fessiers et vont se contracter comme un petit ascenseur qui remonte entre les os des fesses au moment de l'expiration. Ça, c'est un peu subtil, mais À force, vous allez voir que vous allez capter la synchronisation de la respiration. Donc, si on récapitule, c'est j'inspire ici, je contracte mon périnée comme si on se retenait de faire pipi et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Et déjà, quand vous faites cette respiration-là, vous devez sentir qu'il y a un travail au niveau du centre. Cette phase-là s'appelle d'ailleurs l'engagement du centre que je vais vous répéter pendant tous nos exercices. OK ? Donc, petit exercice d'échauffement de colonne vertébrale. Vous allez placer vos doigts les uns contre les autres. Le pouce sur le sternum. Les index ici au niveau de la poitrine. On descend ses épaules vers l'arrière. On plie toujours un petit peu les jambes. Vous engagez votre centre, c'est-à-dire que vous rentrez déjà un peu le ventre et vous contractez votre périnée. On va inspirer avec les côtes. Et en expirant, je vais vous demander de faire une petite rotation sur le côté. Attention pendant la rotation, vous avez vos hanches qui regardent toujours vers l'avant. Ce sont uniquement les épaules qui se tournent. On revient au centre, on inspire. On expire, vous changez de côté. Là, c'est comme si votre colonne vertébrale, elle faisait une petite torsion sur elle-même en restant bien verticale. D'accord ? On revient au centre, on inspire. On expire, le périnée se serre, le ventre se rentre. Lâchez bien vos épaules vers le bas. On revient, on inspire. On expire. Là, vous devez sentir les obliques travailler. Ici, de chaque côté, quand vous faites la rotation, c'est vos abdominaux obliques qui bossent. D'accord ? Et en même temps, votre colonne vertébrale qui s'échauffe. On fait encore ça de l'autre côté. Expirez. On fait gaffe à ses épaules. Hein. Là, surtout, vous me dégagez vos épaules dans vos poches arrière de pantalon. Encore une fois. Expirez. De toute façon, pendant tout le cours, là, on va essayer d'imaginer qu'on a des immenses boucles d'oreilles. Même les messieurs vont s'imaginer ça. Ça va demander un petit peu d'imagination, mais on a des grandes boucles d'oreilles qui demandent donc à avoir de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. D'accord ? N'oubliez pas vos boucles d'oreilles.
On revient au centre, vous pouvez relâcher, enrouler un petit peu vos épaules. J'espère que vous avez senti le travail ici au niveau de la taille. Cet exercice s'appelle le spine twist, celui qu'on vient de faire. Voilà. Deuxième petit exercice d'échauffement, qui n'est pas du pilates, c'est plutôt un petit peu emprunté au yoga. Vous allez plier vos deux jambes en gardant les deux jambes toujours parallèles. On va donner plusieurs niveaux. Alors, niveau juste pour le démarrage. On fait une légère flexion, les fesses poussées vers l'arrière, la colonne vertébrale est étirée, toujours là par un petit fil dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous descendez vos deux bras vers l'arrière, vous avez vos deux mains qui sont posées sur vos cuisses et qui se regardent. Ça nous permet de nous grandir. Ok ? Dans cette position-là, on continue de respirer comme on a appris, c'est-à-dire avec la cage thoracique en inspiration. Vous me contractez le périnée et en soufflant, je vais vous demander d'enrouler la colonne vertébrale avec le ventre bien rentré. Ok ? Les épaules se relâchent. On inspire, on revient. Vous faites attention à bien rester fléchi. Alors, si vous voulez un peu plus de challenge, je vous propose de descendre un peu plus en position semi-assise, carrément, d'avancer un peu vos mains et vous descendez vos épaules. Et on fait la même chose. Inspiration latérale thoracique. Expire avec le périnée serré, enroule le dos. Vous ne montez pas vos fesses, vous restez toujours en position assise. Hein. Sinon, c'est un peu ça triche. Là, l'idée, c'est quand même d'échauffer un peu les jambes. On inspire, on revient en position dos plat. Cet exercice, c'est le dos du chat. Soufflez. Vous regardez entre vos deux genoux pour avoir la nuque qui est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va faire ça encore trois fois. Inspirez. Normalement, vous avez vos cuisses qui chauffent un peu. Hein. Expirez. Si vous avez des problèmes de genoux, de choses comme ça, vous sentez que ça fait mal aux genoux, vous remontez un peu. D'accord ? Inspire, les épaules bien basses. Encore, j'expire. Parfait. Inspirez, on allonge son dos. Comme ça, on fait une vraie flexion, extension de la colonne vertébrale dans l'axe. Là, ça lui fait beaucoup de bien. Et on va expirer, remonter tout doucement vers le haut. Ok, j'espère que vous sentez les jambes. On va maintenant passer un petit peu en position de planche, vous allez voir, ça va être très sympa. Vous reculez au bout du tapis. Les bras sont détendus et relâchés. On plie les deux genoux. Grandissez-vous. Omoplate dans les poches arrière des pantalons. J'allonge mon dos. On engage le centre avec le périnée et le transverse. Vous inspirez avec la cage thoracique et en expirant, vous me faites petit enroulement vertébral. Attention, vous gardez l'angle fléchi là, hein, qu'on a actuellement. Donc, vous soufflez, vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez complètement vers le bas. La tête est bien détendue, les jambes sont fléchies, j'insiste là-dessus. On détend les épaules, on détend la nuque, on inspire avec la cage thoracique. Et quand on expire, on va remonter tout doucement les vertèbres, une par une. Ok ? Lentement, lentement, on repositionnera les épaules et la tête. On va se le refaire encore une fois et à la prochaine, on avance. Vous allez voir, ça va être génial. Inspirez avec la cage thoracique. Enroulez. Colonne vertébrale, on expire. On pense toujours à rentrer son ventre parce que les abdominaux profonds sont déjà au boulot depuis qu'on a démarré de la respiration. Hein. Donc, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Là, vous avez vos mains qui sont proches du sol. Pliez vos jambes pour qu'elles soient proches du sol. Vous allez inspirer. Avancez sur vos mains sans bouger vos fessiers. Vous êtes stable, vous êtes super stable. Descendez en position de planche. En planche, les mains sont sous les épaules. Ok ? On est ni là, ni là. On est vraiment sous les épaules. On est solide sur ses appuis. Vous poussez dans vos deux bras. Et là, vous essayez de tenir l'alignement. Hein ? On n'est pas en pyramide. On est vraiment aligné. Vous devez sentir tout de suite la sollicitation dans vos abdominaux. Si vraiment là, il y avait une douleur, que c'était trop intense, paf, genou posé. D'accord ? Je sais, là, je parle beaucoup et vous êtes en planche et c'est dur. Donc, vous me faites inspiration avec la cage thoracique. Périnée serré, soufflez, rentrez le ventre. C'est un exercice statique pour plus de sensations. Trois cycles respiratoires. On inspire. Et là, quand vous soufflez, je veux sentir le ventre se rentrer là. Pareil pour les gens qui ont les genoux au sol.
Vous rentrez, le ventre. Vous sentez vos abdominaux. Ils sont là. Pas de douleur dans le dos là. Hein. C'est vraiment les abdos qui doivent bosser. Dernière fois, inspire. Expiration du périnée, soufflez. Rentrez ventre, poussez dans vos deux bras. Dégagez vos épaules vers l'arrière. On a toujours nos boucles d'oreilles, même là. C'est ça la classe. On repose les genoux sur le sol. Et là, on peut s'asseoir sur ses talons. Et relâcher les deux bras vers l'avant. On s'octroie une petite pause. J'espère que vous avez eu deux, trois petites sensations au niveau de vos abdos. Alors ça, c'est vraiment super important d'associer la respiration pour sentir le ventre rentrer à chaque fois. On va continuer sur un petit exercice qui s'appelle le swimming, qui est un exercice super global pour travailler et le dos et les abdos. Bref, pour nous, c'est vraiment l'idéal. On va se mettre en quadrupédie. Quadrupédie, c'est à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Ok, on essaye vraiment de respecter les alignements pour justement ne pas traumatiser ces articulations. Ici, vous m'engagez le centre avec le périnée transverse. Vous avez déjà le ventre qui est rentré, les abdominaux qui travaillent. À l'inspire, on ne bouge pas. À l'expire, vous allez m'allonger une jambe derrière très tendue dans le prolongement de la colonne vertébrale et vous allez m'allonger le bras exactement. Alors, le bras opposé, hein, si c'est le même bras, je vous dis tout de suite, vous allez vous casser la figure. Ça ne sera pas possible. Le bras opposé dans le prolongement également, comme si on allait toucher les murs d'un bout à l'autre. Vous tenez le ventre rentré, vous étirez la colonne vertébrale et on revient exactement à la position de départ en inspirant. Et vous expirez, l'autre jambe qui s'étend, l'autre bras qui s'étend. On s'arrête à l'horizontale, hein, c'est pas la peine de venir me mettre la jambe trop en haut. Nous, on est vraiment les deux hanches vers le bas, enfin les deux hanches qui regardent vers le sol, les deux épaules qui regardent vers le sol également. On repose, on inspire et on expire. Faites-moi des grandes expirations. Le périnée qui se serre à chaque fois, le ventre qui rentre également, l'engagement du centre complet. On inspire, on revient et on expire. Et là, vous sentez probablement un travail toujours au niveau des abdos et aussi au niveau de la colonne vertébrale, la ceinture scapulaire, hein, les épaules, parce qu'elles bossent là à chaque fois en appui. Soufflez. On étire, on étire, on étire. Vous me tendez la jambe, vous me contractez le fessier pour avoir un petit travail aussi sur les membres inférieurs. Inspire, pause, expire. Pensez toujours, j'aspire le nombril, je colle mon nombril à la colonne vertébrale. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, expire. Voilà, comme ça, on aura fait une dizaine de répétitions sur cet exercice de swimming. Inspire, pause, expire. Allonge complètement le bras. Attention, le bras n'est pas trop haut, n'est pas trop bas. Et la nuque n'est pas là. Ok ? Vous regardez en avant au niveau des mains. On inspire, on repose. Petite pause. Relâchez un peu à nouveau en étirement du coquillage. Oui, ça s'appelle l'étirement du coquillage. Pilates est très imaginatif au niveau des noms d'exercices. Vous allez voir. Vous laissez vos épaules un petit peu relâchées vers le bas. On va se redresser. Déverrouillez un peu les épaules. Là, comme elles viennent de bosser en quadrupédie, vous n'hésitez pas à prendre quelques petites secondes pour juste les mobiliser. On va s'asseoir. Alors, on est assis sur son tapis. Si ce n'est pas confort, vous pouvez rouler votre tapis. Hein, si en position assise, vous sentez que ça tire, que c'est raide, vous pouvez rouler votre tapis pour créer une petite épaisseur. Ça marchera aussi avec notre exercice. Sinon, vous pouvez rester à plat. Les deux pieds sont toujours ouverts à largeur du bassin. Vous êtes sur vos os des fesses. D'accord ? On va étirer au maximum sa colonne vertébrale vers le plafond. Sentez qu'ici, j'allonge au maximum le dos. Ok. On est toujours avec les épaules qui se dégagent dans les poches arrière des pantalons. Posture très redressée. Vous avez vos genoux qui ne s'ouvrent pas. Hein, vous restez bien parallèle dans le prolongement de vos hanches. Vous engagez votre centre ici avec le périnée transverse.
Vous allez me placer vos deux bras de chaque côté des genoux. On va inspirer toujours avec la cage thoracique. Et en expirant, vous allez doucement basculer ici sur le sacrum. On fait une toute petite bascule de bassin. Ok, on n'a pas tout le dos qui s'enroule. Vous restez bien en ouverture au niveau de la colonne vertébrale supérieure. Et vous inspirez, retour sur les os des fesses. Ok, là c'est sentir ses os des fessiers au niveau de la position de départ. Soufflez. Sentir son sacrum. Avec le ventre rentré. Et évidemment, sinon, c'est la catastrophe. On inspire, on revient. Et on expire, on repart. Là, c'est une petite mobilisation de la colonne vertébrale lombaire et aussi un travail des abdominaux. On pense à relâcher ses épaules. On inspire, on revient. Si vous avez les cervicales un peu fragiles que j'attire, vous pouvez faire la même chose avec les mains sur les épaules. Expiration. Vous sentez vos abdos là? Ce sont eux qui vous retiennent. Et inspirez, revenir. Encore, on se concentre bien sur sa respiration. Le périnée se serre, le ventre se rentre. Ok, les épaules restent en ouverture. On a toujours ces magnifiques boucles d'oreilles qui pendent là, soufflez. Et on va rajouter à cette parure de boucles d'oreilles un superbe collier. Imaginez un collier là avec un pendentif énorme et il faut absolument l'exposer. C'est pas possible autrement. Il faut exposer ce pendentif. Ça nous oblige à avoir cette posture là en ouverture sur le haut du thorax. Alors je sais, les messieurs, la parure boucle d'oreille collier, ça ne va pas vous parler, mais un peu d'imagination. On le fait encore une fois. Expirez. Ventre engagé, périnée transverse. Là, les abdominaux sont au taquet. Et on inspire, on revient. Vous ne devez pas sentir de douleur hein, là, ici. Vous pouvez relâcher vos deux bras et relâcher vos têtes. Vous ne devez pas sentir de douleur lombaire. C'était ça, ma phrase complète. Vous devez sentir les abdominaux travailler, mais les lombaires, là, sont mobilisés, mais il ne doit pas y avoir de stress au niveau articulaire. On va passer à allonger sur le dos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. S'allonger, attention, on s'assoit sur le côté, on s'allonge ici en respectant son alignement vertébral, et ensuite seulement, on se tourne. Voilà comment s'allonger sans se blesser. Donc, à répéter à chaque fois que vous avez besoin de vous allonger. En position allongée sur le dos, on va maintenir les jambes fléchies sur le sol, ouvertes, largeur du bassin. Okay. Vous avez un léger creux sous la colonne vertébrale, c'est normal, c'est toujours la présence de cette lordose lombaire physiologique qu'on va garder sur notre début d'exercice. Vous allez poser vos bras de chaque côté des deux bras, de chaque côté du thorax. On va étirer la nuque, vraiment comme si elle était toujours tractée par un petit fil vers l'arrière, ici. On dégage les épaules, vous sentez vos omoplates qui se rapprochent. On a toujours ce pendentif, ces boucles d'oreilles, magnifique. Ici, vous inspirez avec la cage thoracique. Je vais juste lever mon bras pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau lombaire. On va me faire une petite expiration avec le périnée qui se serre et le ventre qui se rentre. Et je vais vous demander de venir poser vos lombaires sur le sol sans pousser dans vos pieds, sans serrer vos fessiers. Subtil, c'est en utilisant ces abdominaux qu'on va faire ça, d'accord? On inspire, on revient, position neutre. Inspirez bien dans votre cage thoracique. Contraction périnéale, soufflez. Rentrez votre ventre. Venez déposer vos lombaires sur le sol. Ici, vous devez sentir également vos abdos qui se mettent au boulot. On revient, position neutre. Et on repart, position lombaire. Posée, cette position s'appelle l'empreinte parce qu'on a la colonne vertébrale qui est imprimée dans le sol. On essaye pendant l'empreinte de toujours garder la nuque bien longue, les épaules bien relâchées. Encore une fois, inspirez. Expire, faites attention à la largeur de vos genoux, elle reste toujours fixe hein, au niveau du bassin. Parfait, repose sur la position neutre. On va aller plus loin dans cet exercice qui s'appelle le shoulder bridge ou pont des épaules. Vous allez me faire la même chose, expirez avec le ventre rentré, le périnée serré.
Quand vous serez en position d'empreinte, vous poussez dans vos pieds. Cette fois, vous serrez vos fessiers. Vous engagez vraiment les fessiers et les ischios jambiers pour venir vous aligner avec les genoux et les épaules. On forme une ligne droite là. C'est un tremplin. Un tremplin avec le ventre rentré, le périnée serré. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez sans bouger. Et on va expirer, descendre tout doucement, chaque vertèbre une par une. Là, j'insiste sur le déroulement progressif de la colonne vertébrale. Vous devez sentir vos vertèbres les unes après les autres, particulièrement quand on arrive au niveau lombaire, là. Vous reposez le sacrum sur le sol. Vous inspirez à nouveau en position neutre. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée et on repart. On repasse position d'empreinte, puis engagement des fessiers. Appuyez vraiment sur vos pieds, contractez vos fessiers. J'attire votre attention sur la tête, d'accord ? Elle est détendue, relâchée sur le sol. Les épaules sont basses. Inspire en haut, expire, redescende tranquillement. Vous pensez toujours à bien engager le centre, le périnée et le transverse se serrer. Cet exercice est à la fois de la mobilisation vertébrale, mais aussi de la contraction fessière et ischio-jambier. Inspire, on va faire ça encore 4 fois. Expire. Le poids du corps est porté quand on est en l'air là sur le haut du dos, d'accord ? Pas tellement sur la tête, c'est vraiment le haut du dos qui supporte le poids du corps et les pieds également, bien sûr. Inspire, expire, on déroule. La colonne vertébrale, c'est un collier de perles là qui se déroule sur le sol, chaque vertèbre une par une. Vous devez sentir un petit peu les fessiers et les ischios jambiers chauffer. C'est le but de notre exercice également. Encore 3 fois. Enroule, expire. J'espère que vous arrivez à bien associer la respiration au mouvement. Ça prend un peu de temps. Hein. Je vous avoue que le pinaillage au début, c'est normal. On inspire avec la cage thoracique sans bouger. On expire. On commence la descente. Chaque vertèbre une par une. Soyez progressif, lent, doux. La tête détendue sur le sol. On essaie de ne pas ouvrir ses jambes, elles restent toujours parallèles. Faites attention à ça. Et les pieds ne sont pas ni trop loin ni trop près. Hein. Ok. Encore une dernière fois, on expire. Je vous propose une petite phase statique. Vous restez là-haut. Contraction des fessiers. On fait juste une respiration latérale thoracique sans bouger ici. Vous inspirez avec votre cage thoracique. Contraction du périnée. On rentre le ventre. Vous sentez bien le nombril rentrer, le périnée serré. Allez, inspire. On va redescendre. Chaque vertèbre une par une. Descend tout doucement jusqu'en bas. Parfait. Là, je vous propose de ramener un genou et puis l'autre sur la poitrine. Bien. Petite détente lombaire ici, genou-poitrine. Vous allez juste me faire des mouvements latéraux comme ça, de droite à gauche, histoire de se faire un petit automassage. Hein, c'est toujours le bienvenu. Les épaules et la tête sont toujours relaxes, détendues. On va rester sur le dos et passer à un petit exercice de sangle abdominale un peu plus approfondi, j'ai envie de dire, même si la sangle abdominale travaille depuis qu'on a attaqué la respiration. La respiration avec les abdominaux profonds. Donc, vous allez reposer les deux pieds sur le sol. Les deux bras de chaque côté du buste. Posture étirée au niveau de la colonne vertébrale, toujours. Le menton légèrement vers la poitrine. Les épaules dégagées sur le thorax. On va travailler en position neutre. Si toutefois, pendant les exercices, il y avait une douleur au niveau du bas du dos, n'hésitez pas, vous venez plaquer vos lombaires sur le sol, d'accord ? Là, c'est une option envisageable. Option aussi pour les gens qui souffrent un petit peu de raideur cervicale. Vous pouvez également rouler votre tapis et poser la tête sur un petit support. Si vous sentez que c'est compliqué de rester en position allongée, vous avez les épaules qui se lèvent, la tête un peu comme ça, bref, que vous n'êtes pas bien, vous me faites petit support sous la tête. Autant pour l'exercice d'avant, ce n'était pas conseillé, autant là, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Ok ? Je propose l'engagement du centre. On inspire. On contracte son périnée, on souffle, on rentre le ventre. Ok.
Le ventre va rester rentré. On inspire à nouveau, cage thoracique. On expire, vous allez m'amener une jambe à 90 degrés. Alors là, Pilates a un rapporteur dans son répertoire. D'accord ? Donc c'est vraiment genou au-dessus de la hanche, genou fléchi. On n'est pas là et on n'est pas là non plus. Ok ? Vous devez sentir vos abdominaux qui sont sollicités. On inspire, on repose la jambe sur le sol. Là, c'est une petite introduction pour l'exercice des ciseaux. Vous soufflez, vous allez amener l'autre jambe à 90. Pendant ce travail, il n'y a que la jambe qui bouge. Le thorax est super immobile. On inspire, on repose sur le sol. Les hanches sont fixées. Imaginez qu'elles regardent toujours vers le plafond. Expirez. On s'arrête à 90, genou fléchi, ventre rentré, périnée serré, nuque étirée. Et je sais que ça fait beaucoup de choses à penser là. On inspire, on repose. On expire. Périnée transverse. Sentez vos abdominaux se contracter. OK. Inspire. On va compliquer un peu l'histoire. OK. Vous allez expirer. Toujours on ramène cette jambe. Vous restez ici sur l'inspiration. Je vous conseille de mettre une main sur le ventre pour sentir vraiment si celui-ci reste bien rentré. Donc, vous inspirez sans bouger. En expirant, vous m'amenez la deuxième jambe. C'est là le challenge. C'est là qu'il faut que les abdominaux restent rentrés. C'est là que si ça fait mal au dos, paf, vous me plaquez les lombaires sur le sol. D'accord, on n'hésite pas. On inspire sans bouger. Et vous soufflez, vous me descendez une jambe. L'autre, elle reste fixe. Inspirez, essoufflez, redescendre. C'est bon ça, hein ? La même chose avec l'autre jambe qui monte d'abord. Inspire, cage thoracique. Expire, vous fixez une jambe à 90 degrés, fléchis. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expirez, deuxième jambe. Faites super attention à votre ventre, d'accord ? Le nombril reste rentré. Les lombaires peuvent rester plaqués si ça fait mal au dos. Inspirez, sans bouger, soufflez. On repose la première jambe. Inspirez, expirez. Reposez l'autre. On va se faire encore une fois de chaque côté. J'espère que vous avez des petites sensations abdominales. Inspire. Allez, on posture toujours bien sa nuque, hein, sa nuque, sa colonne vertébrale. Expire. Périnée transverse. Inspire. Expire. Montez l'autre jambe, 90. Inspire. Là, c'est comme si on était les jambes posées sur une chaise. Expire. On redescend. Inspire. Expire. Parfait. Dernière répétition des side thoughts. Oui, Pilates est totalement anglophone. Inspirez. Expirez. On amène la jambe à 90. On n'oublie pas le périnée. D'ac. Inspirez. Expire, engagement du centre. Décontraction magnifique du haut du corps. Détendu, totalement détendu. On est tellement bien qu'on va rester comme ça. Non. On inspire ici, vous soufflez. Descendre d'une jambe. Inspirez, soufflez. Descendre de l'autre jambe. OK, sensation abdominale. Vous allez ramener vos deux genoux sur le thorax. Parfait, on se refait. Ce petit travail, là, c'est un petit peu le cadeau hein, comparativement à ce qu'on vient de faire. Je fais cette petite détente lombaire avec les genoux sur la poitrine et les petits mouvements de balancer lents de chaque côté. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une position de travail. Et ensuite, on pourra passer à quelques petits exercices d'étirement. Donc, vous allez... Vous tournez sur le ventre, d'accord ? Alors, sur le ventre, vous allez m'ouvrir vos jambes de chaque côté du tronc, ok ? Les jambes vont rester au repos. Vous allez vous allonger sur votre tapis, vous prenez la place nécessaire, ok ? Donc moi, j'ai la tête dans le bonsaï que je vais décaler. Ici, vous avez les talons qui sont vers l'intérieur. D'accord ? On a les hanches qui sont en rotation externe. On étire au maximum sa colonne vertébrale.
Vous allez m'amener le nez proche du sol. Pareil, là, si vous avez une petite raideur cervicale, vous pouvez rouler votre tapis, mettre le front dessus. Ça passe aussi. Dans la position couchée ventrale, une chose super importante, c'est toujours l'engagement du centre. Et là, vous allez peut-être pouvoir le sentir un petit peu mieux parce que je vais vous demander d'expirer et de sentir le nombril qui se décolle un peu du tapis. D'accord ? Ou en tout cas, qui va vers le décollage. C'est-à-dire le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Pendant les exercices, là, pendant l'exercice qui va suivre, vous essayez de relâcher vos fessiers. Okay ? C'est comme si on avait une petite péridurale. Soyez imaginatifs, encore une fois. Et que le bas du corps était complètement relâché. En ce qui concerne les membres supérieurs, vous allez me poser vos bras de chaque côté du buste, les paumes de main sur le sol. Okay ? Donc, vous avez votre nez au ras du tapis. Vous engagez votre centre avec le périnée et le transverse. Dans cette position de départ, on a plutôt les épaules qui tombent. Hein. C'est normal parce qu'elles sont relâchées. La nuque bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous inspirez sans lâcher le nombril. Le nombril reste rentré. On expire avec le périnée et le transverse. Je vais vous demander d'abord de serrer vos omoplates vers l'arrière et de décoller le nombril, de décoller le nez d'à peu près 2 cm du sol. C'est tout, ok ? Surtout, ce qui est très important, c'est de serrer ses omoplates, de sentir ses épaules qui se reculent et qui vont vouloir se mettre dans les poches arrière du pantalon. D'accord ? Puis on repose sur le sol, vous inspirez. Là, vous devez avoir des sensations dorsales, des sensations musculaires dorsales. On expire, périnée transverse. Je recule mes épaules. Je décolle un petit peu plus le nez du sol. Attention, on regarde pas devant soi, d'accord ? On reste toujours dans le prolongement. Imaginez que vous avez un point entre le menton et le thorax. Inspire. Expire, on maintient toujours le ventre à rentrer, le périnée serré. Recule les épaules vers l'arrière. C'est ça surtout qui prime ici pour travailler au niveau complet du haut du dos. Pour challenger un petit peu plus l'exercice, on va inspirer, souffler, décoller les mains, les maintenir de chaque côté des cuisses. Et là, vous sentez le petit travail qui s'intensifie au niveau du dos, même un petit peu des bras. On inspire, on repose. Si c'est trop intense, vous me continuez l'option main sur le sol, ça marche aussi. Expirez, périnée transverse. On rentre son ventre, on fait super attention ici. Vous avez une petite bulle d'air sous le nombril. Il ne faut pas l'écraser. Okay ? Inspire. Regardez toujours dans le prolongement de votre colonne vertébrale. On regarde légèrement en avant du tapis. Et surtout, vous sentez vos omoplates se serrer. On essaie aussi de sentir ses fessiers complètement relâchés. Inspire, pause, on le fait encore 2 fois. Soufflez. Imaginez que votre colonne vertébrale, elle est étirée vers l'avant aussi, hein. Pas uniquement vers le haut, c'est vraiment un travail d'étirement. On inspire, ça sera la dernière. Expirez, périnée transverse. Serrage d'omoplate à fond. Bras tendus, relâchement des 2 jambes. Et vous pouvez relâcher. Ok, je pense que vous avez eu quelques petites sensations au niveau de la colonne vertébrale. C'était le but. Vous allez prendre appui sur vos 2 mains ici, de chaque côté de la poitrine. Poussez dans vos 2 bras. Rapprochez vos genoux. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Parce que là, comme la colonne vertébrale a été un peu sollicitée en extension, on va vraiment se faire un petit shell stretch pour la détendre. Donc, vous mettez vos 2 bras de chaque côté des tibias. Vous relâchez complètement la tête. Donc, ce petit exercice qu'on vient de faire s'appelle le swan dive. Oui, c'est le plongeon du cygne. Oui, je vous dis. Puis là, tu as beaucoup d'imagination pour les noms d'exercices. Ça, c'est vraiment un exercice super complet pour renforcer la colonne vertébrale tout en respectant son anatomie. Bien sûr, j'espère que vous avez réussi à bien capter la respiration. En général, il faut retenir que l'effort se fait à l'expiration pendant les cours. D'accord ? Si vous ne savez plus quand inspirer,
c'est toujours plus ou moins à l'effort qu'on expire et que du coup on engage son centre avec le périnée et le transverse. Parfait, vous allez pouvoir dérouler votre colonne vertébrale tout doucement. Je vous propose quelques petits étirements. Tranquille les étirements, rassurez-vous, pas de grand écart ce matin, on n'est pas prêt. Vous allez vous asseoir. Alors, je vous propose la position assis tailleur. Si toutefois, ce n'était pas confortable, vous pouvez aussi me faire assis, jambes un petit peu dépliées, d'accord. Vous pouvez aussi rouler votre tapis et vous asseoir sur une petite épaisseur. C'est aussi une option, avoir un petit coussin. Là, vous pouvez vraiment vous mettre un peu confortable, d'accord. Moi, j'ai choisi assis tailleur. L'idée, c'est de sentir ses os des fessiers ici, d'accord. On n'est pas complètement justement en arrière, là. Vous arrivez toujours sur votre posture d'étirement, redressement. En pilates, on a toujours ce truc un petit peu de posture très ligne parce que c'est en même temps super physiologique. Là, vous allez croiser vos deux mains, d'accord. Vous allez mettre vos deux mains derrière la tête. Faites super attention, je vois d'ici vos épaules qui sont comme ça, là. Voilà. Donc là, je vous propose de descendre vos épaules. On a toujours les boucles d'oreilles qui sont là, qui pendent, ok. Vous allez juste cette fois-ci, en expirant, incliner la tête vers le thorax. Vous laissez les bras se refermer. Et vous ne laissez pas les épaules monter, pensez boucles d'oreilles. Et vous sentez ici l'étirement sur le haut du dos, les cervicales, qui vous remercient déjà de prendre un petit peu de temps pour s'occuper d'elles. Et pour, avec toutes les heures qu'on passe sur les ordi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai les cervicales en feu sur l'ordi. Donc relâchez bien vos épaules. On va rester quelques petites minutes comme ça. Là, la respi est plus cool. Hein. On est vraiment sur quelque chose de plus détente. On est en phase 3, la phase d'étirement. Ok, très bien. Vous pouvez ramener la tête, descendre vos deux bras. Vous allez maintenant placer vos deux mains devant vous. Alors, si vous êtes en tailleur, comme ça, devant aussi. Ok. Et là, je vais vous demander de descendre un petit peu. Comme pour venir poser les coudes si on peut. Si on ne peut pas, on reste en flexion de colonne vertébrale. D'accord ? On essaye vraiment de sentir l'étirement qui va s'installer au niveau des fessiers, des muscles rotateurs externes au niveau des hanches et des lombaires. Là, vous laissez la tête complètement refermée. On est bien là, ici. Là, ici, on est super bien. On est vraiment détendu, relâché. On inspire. Et on expire. Ok. On inspire. Et on expire. Parfait. Impeccable. Vous allez pouvoir vous redresser tout doucement. Ça sent la fin là bientôt. Hein. On va inspirer, monter les deux bras vers le plafond. Étire la colonne vertébrale au maximum. Vous soufflez vous devant vous. Cette fois-ci, j'autorise l'enroulement de colonne vertébrale. Le dos qui forme. On se redresse. On ouvre les bras de chaque côté. Les mains, les épaules, d'accord. Et là, je vais vous demander de tirer vers l'arrière. Sentir les muscles des pectoraux s'étirer. Sentir aussi les muscles des bras, des mains. Vous retournez vos deux mains vers l'arrière. Attention, boucle d'oreille. Oui, on les garde jusqu'au bout, ces boucles d'oreille. On reste un petit peu, quelques respirations comme ça. Et vous pourrez relâcher. Et j'annonce la fin de ce premier cours de Pilates en live. Spécial mode dos. Rapprochez un peu de l'écran pour voir si vous êtes toujours là déjà et surtout si vous êtes encore vivant. Oui, vous êtes toujours là, cool. Bon,
J'espère que ça vous a plu d'abord. Merci d'avoir assisté à ce cours. Merci d'avoir pris le temps de me faire confiance et de m'écouter. J'espère que vous avez pu avoir les sensations que j'avais envie de vous faire partager, c'est-à-dire vraiment le grandissement, le centre engagé, la mobilisation du dos sans le traumatiser, ok? Donc, évidemment, il faut répéter. Super, merci. Je suis bien contente de vos petits retours, là. Ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que j'espère que vous avez eu des sensations que j'espérais vous faire partager. Il faut de la répétition, parce que vous avez vu, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de travail respiratoire. C'est ce qui nous donne aussi un petit peu le côté relaxant, parce que vous êtes resté focus sur vous-même pendant une heure. J'imagine que vous avez laissé vos soucis ailleurs. Donc, pour ça, on va... merci, Suzanne. Pour ça, on vous a en fait préparé un petit programme spécial maux de dos. Je vous invite à aller visiter un petit peu notre site ipilate.fr. En fait, il y a un petit programme spécial maux de dos qu'on essaie de mettre en place et de co-construire ensemble. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire et à sélectionner en fait le programme maux de dos pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. En plus, comme c'est le tout départ, on est sur une offre de lancement. Donc, je vous laisse découvrir ça. Je me représente pour ceux qui ont zappé un peu le début. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis kiné et coach de Pilates depuis une petite dizaine d'années. Et voilà, la volonté, c'était vraiment avec Camille, faire de projets, de faire vraiment un petit mix là de ces connaissances pour pouvoir vous apporter un maximum de corrections, un maximum d'exercices adaptés, parce que c'est vrai que là le mal de dos, c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Et je pense que il y a vraiment un travail à faire, que chacun doit travailler pour pouvoir retrouver une posture correcte. Parce que dites-vous bien qu'une fois que la posture est correcte, une fois que les abdominaux profonds, une fois que les muscles profonds sont sollicités dans le bon sens, sans les brutaliser, il y a vraiment de très bons résultats sur les douleurs, on va dire un peu chroniques. Alors bien sûr, pour les cas particuliers, je vous invite à me contacter en message privé. N'oubliez pas le réflexe toujours de demander un petit peu au médecin traitant son avis, d'accord, quand on a vraiment des pathologies un petit peu particulières. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux, l'Instagram, le Facebook, la chaîne YouTube. On vous a prévu des petites vidéos rigolotes sur YouTube pour essayer de vous faire passer des infos toujours avec un peu de bonne humeur et de peps, quoi, pour que ça vous fasse un petit peu sourire. Je vous remercie d'avoir été présent avec moi. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à donner un cours à toutes ces personnes en même temps. Je pense que j'ai jamais eu un cours de Pilates aussi plein. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne reprise pour les gens qui reprennent le boulot lundi. Et surtout, sortez masqués. c'est la nouvelle recommandation. Alors, vous n'hésitez pas à me faire des petits retours en message, hein, parce qu'on est... On est friand de vos retours. On organisera des petits lives aussi, bien sûr, régulièrement. Vous en serez avertis. Là, c'était vraiment un petit cours de découverte. Oui, c'est vrai. Je réponds aux questions. Oui, pardon. J'avais zappé les questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Anne-Marie, j'espère que ça t'a plu. Anne-Marie, les deux Anne-Marie aussi. Oui, je suis là pour répondre à vos questions si vous avez des petites questions pour moi. Alors, où peut-on trouver les programmes? Alors, le programme, on peut le trouver sur le site ipilate.fr qui est noté en lien. Voilà, si vous voulez en fait commander le programme, vous allez sur notre site et vous allez voir, vous suivez, tac, 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 commander le programme, tac. Donc, c'est un programme qui va être co-construit. C'est pour ça qu'il va prendre un petit peu de temps, d'accord? Parce que on va attendre d'avoir vos retours sur le petit questionnaire que vous allez remplir. Et une fois que vous avez rempli
vos petits questionnaires. On va pouvoir élaborer ensemble le contenu du programme. Ça va être 12 cours de 30 minutes à répéter et surtout que vous allez pouvoir refaire en fait de façon accessible en permanence. C'est un petit peu une accessibilité qu'on a appelée à vie. Il y a une super offre de prix pour le lancement. Je vous invite à aller voir ça sur notre site. En plus, on a des petits articles. On a pas mal de petits conseils. Bref, on essaie de faire un truc un peu sympa. Voilà pour ce qui concernait ce premier live de ce matin. Écoutez, moi, je suis bien contente de l'avoir fait avec vous. J'attends vos retours. Je vous souhaite une super journée. C'est l'heure d'aller manger là, hein, non ? Alors, je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Je vous embrasse.